Veux-tu bien me dire ce que tu es en train de faire? On est toujours à l'étape numéro 3. C'est-à-dire la peinture des murs. Mais pourquoi écrivez-vous sur les murs? En quoi ça aide? Non, mais ce qui compte, c'est vraiment le résultat. Moi, je pense que Sylvie, c'est une femme. Une femme sensible et qui aime beaucoup la couleur pomme. Voyez-vous? En fait, c'est pas pomme la couleur. C'est limette en vedette. Alors, je pense que quand elle va voir ses murs, limette en vedette, elle va être. Merci, Pignon. Merci. Alors, c'était Pignon pour une. Pour ça. Une chronique. Pour une petite capsule. Go. Oh. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques gaffes de Jean-Maxime. Alors, au plafond, il s'est laissé aller, comme vous pouvez voir. Et il est en train de réparer une autre de ses gaffes. Alors, Jean-Maxime, pouvez-vous m'expliquer ce manque de concentration? Je pensais qu'on faisait le plafond. Il pensait qu'on faisait le plafond. D'accord. Tour des yeux. Mais oui, merde, on va montrer ça plus tard. Attends, je vais pas le mettre dans le monde. Bon, qui elle va? Tu peux couper. T'as-tu coupé? Ouais. Arrête! Elle est chaude! Jean-Maxime! Jean-Maxime! Zoom, zoom! Son cul! Alors, on va l'envoyer à Las Vegas. C'est dans la peine. Donc, la première couche est presque terminée. Donc, on est vraiment dans les temps. Je suis vraiment fière, on a réussi à se rattraper. Bravo la gang! Ça va très bien. On va aller voir... On va commencer par aller voir Jean-Maxime, tiens. Donc, Jean-Maxime. Jean-Maxime? Est-ce que tu trouves que ça avance bien? Uh-huh. Que t'es fière? Ah ouais. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux gens à la maison qui... À ta mère? Ouais, à ta mère. Maman, je t'aime! Oh! Joyeux Noël! Ginette, est-ce que tu aurais un mot à dire aux gens à la maison qui nous écoutent et qui sont fans de vous et qui aimeraient avoir beaucoup de conseils? Oui, ben en fait, justement, je voulais vous parler de la couleur. La couleur, c'est une lunette... Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens à la maison qui voudraient réaliser la même chose? Réaliser son rêve? Ouais. Vous voulez réaliser votre rêve? Vous avez qu'à aller au Home Depot, sortir votre portefeuille et demander aux gens qui vous entourent de vous aider. D'accord. Alors, merci Ginette. Joyeux Noël. Merci Ginette. On va aller voir maintenant Pignon 2, qui est en plein
finition. En pleine finition. Donc, Monsieur Pignon, auriez-vous quelque chose à ajouter? Écoutez, moi je pense que Sylvie, là, elle mérite tout ça. Vraiment, là. Puis, tout ce qu'elle fait pour ses enfants. Ouais. Puis, les efforts qu'elle met à l'école, etc. Vraiment, je pense qu'elle mérite beaucoup, je pense. Lily? Oui? Donne-moi la caméra, ça va être à ton tour. Alors, Mélie, non, Mélie Scaccia. Oui. Alors, je voudrais vraiment remercier, je voudrais te remercier, maman. C'est pour toi qu'on fait ça. C'est pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous. Alors, merci. Et, joyeux Noël. Mon thème. Disais pas vrai. Je t'aime, maman. Maman, je t'aime. Je t'aime, maman. On t'aime, maman. On t'aime. Même si je suis pas toujours, de bonne humeur. Tu l'as fait, que tu l'as fermé? Non, j'avais fermé, vas-y, je répète. Même si je... Que dis? Même si je peux toujours... Ça, ça fait 4 fois qu'elle dit. Mais... Blue. Même si je suis pas toujours de bonne humeur, je veux que tu saches que je t'aime et... Regarde la caméra. Et si des fois je sac, je t'engueule, je te fais chier, ben c'est pas contre toi. C'est une salope. Bon, c'est bon. Vas-y, Mélie, va danser à côté. Alors bonjour tout le monde. Et en ce moment on est réunis pour le dévoilement de la couleur. Mais j'aimerais ça savoir vos impressions pour la journée. Vos impressions pour la journée qui s'en vient. Alors Ginette. Mais en fait j'ai hâte de vous dévoiler la couleur. C'est une couleur que j'ai choisie pour Sylvie. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a bien spécifié qu'elle voulait quelque chose de dégagé. Qui mettait beaucoup de lumière et de profondeur dans la pièce. Alors j'ai vraiment hâte de vous montrer la couleur. Pignon? Écoutez, il est encore tôt pour dire comment ça va se passer. Là. Il est aux alentours de 7h le matin. Si vous vous êtes levé à 10h30. C'est ça, mais c'est une belle journée de tempête. Moi je pense que ça va bien aller. On a une belle équipe. Je suis très confiante pour cette journée. Et à l'instant même, je laisse la parole à Melicello. Alors, Ginette, Mélie Scaccia. Alors, Ginette, dévoile-nous la couleur. Tant attendu. Alors, elle a justement un nom très spécial, cette couleur-là, que j'aime beaucoup. Ah oui? Alors, je laisse le dévoilement à son membre de famille qui la connaît depuis très longtemps. Sylvie, c'est... Bon, je vais pas commencer à embarquer dans le trou émotionnel, mais... Sylvie, c'est pour toi! On y va. Alors, j'ai hâte de voir ta réaction. Oh, c'est beau! Elle va aimer ça, je pense. Oh. C'est vraiment beau. Alors, la couleur, c'est... Limette en vedette. Oh. Limette en vedette. Oh oui. Pour notre vedette. Ah, oh, elle va aimer ça. Limette. Sûr qu'elle va aimer ça.